Mort de Kobe Bryant, la somme pharaonique qu'a touchée sa veuve, Vanessa. Vanessa Bryant a été indemnisée pour la parution des photos de l'accident d'hélicoptère dans lequel son mari et sa fille avaient perdu la vie, le 26 janvier 2020. Les clichés montraient la dépouille de la star de basketball américaine, mais aussi celle de sa fille, Gianna Bryant, présente à bord avec lui. Des membres des forces de l'ordre et les secours avaient pris des photos et les avaient par la suite montrées à des membres de leur entourage. Vanessa Bryant, la veuve de la star, avait intenté une action en justice pour dommages émotionnels, craignant que ces images ne fassent un jour surface sur Internet. Les autorités de Los Angeles ont donc octroyé, ce mardi 28 février, la somme de pharaonique de 29 millions de dollars, soit 27,2 millions d'euros, afin d'indemniser la veuve. L'indemnité versée inclut également les 15 millions de dollars déjà attribués à Vanessa Bryant par un tribunal de Los Angeles en août 2022. Pour le même motif, Kobe Bryant avait 41 ans au moment de l'accident. Sa fille, Gianna, en avait 13.